Je reviens près d'Hélène Lajonelle. Elle est allongée sur un banc. Et elle pleure parce qu'elle croit que je vais quitter le pensionnat. Je m'assieds sur le banc. Je suis exténuée par la beauté du corps d'Hélène Lajonelle, allongée contre le mien. Ce corps est sublime, libre sous la robe, à portée de la main. Les seins sont comme je n'en ai jamais vu. Je ne les ai jamais touchés. Elle est impudique, Hélène Lajonelle. Elle ne se rend pas compte. Elle se promène toute nue dans les dortoirs. Ce qu'il y a de plus beau de toutes les choses données par Dieu, c'est ce corps d'Hélène Lajonelle, incomparable. Cet équilibre entre la stature et la façon dont le corps porte les seins, en dehors de lui comme des choses séparées. Hélène Lajonelle ne va pas au lycée. Elle ne sait pas aller à l'école, Hélène, elle. Elle n'apprend pas. Elle ne retient pas. Elle fréquente les cours primaires de la pension, mais ça ne sert à rien. Elle pleure contre mon corps et je caresse ses cheveux, ses mains. Je lui dis que je resterai avec elle au pensionnat. Hélène Lajonelle, elle ne sait pas encore ce que je sais. Elle a pourtant 17 ans. C'est comme si je le devinais. Elle ne saura jamais ce que je sais. Le corps d'Hélène Lajonelle est lourd, encore innocent. La douceur de sa peau est telle, celle de certains fruits. Elle est au bord de ne pas être perçue. Illusoire un peu, c'est trop. Hélène Lajonelle donne envie de la tuer. Elle fait se lever le songe merveilleux de la mettre à mort de ses propres mains. Ses formes de fleurs de farine, elle les porte sans savoir aucun. Elle montre ses choses pour les mains les pétrir, pour la bouche les manger, sans les retenir, sans connaissance d'elles, sans connaissance non plus de leur fabuleux pouvoir. Je voudrais manger les seins d'Hélène Lajonelle, comme lui mange les seins de moi dans la chambre de la ville chinoise où je vais chaque soir approfondir la connaissance de Dieu. Être dévorée de ces seins de fleurs de farine que sont les siens. Je suis exténuée du désir d'Hélène Lajonelle. Je suis exténuée de désir. Je veux emmener avec moi Hélène Lajonelle, là où chaque soir, les yeux clos, je me fais donner la jouissance qui fait crier. Je voudrais donner Hélène Lajonelle à cet homme qui fait ça sur moi, pour qu'il le fasse à son tour sur elle. Ceci en ma présence, qu'elle le fasse selon mon désir, qu'elle se donne là où moi je me donne. Ce serait par le détour du corps d'Hélène Lajonelle, par la traversée de son corps, que la jouissance m'arriverait de lui alors définitive. De quoi mourir ?